Le monde a changé. La cité aussi. Le Collège La Cité, prêt pour demain. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue au Facebook Live où on va parler des programmes de technique du génie électronique ainsi que le programme de technologie du génie électronique. Je m'appelle Albel Kayumba, je suis agent de liaison au Collège de la Cité. Il m'a fait plaisir d'être avec ma collègue, Madame Mylène Barbeau, qui coordonne les deux programmes. Comment vas-tu? Très bien, merci. Je suis contente aussi d'être là. Excellent. Donc, on va prendre le temps de découvrir les deux programmes. Bienvenue encore une fois à ceux et celles qui nous suivent. N'hésitez pas à poser vos questions. Donc, c'est le temps de poser vos questions. Avant d'aller trop loin, Mylène, j'aimerais que tu nous parles de ces deux programmes, le programme de technique du génie électronique ainsi que le programme de technologie du génie électronique. À quoi ressemblent ces deux formations au Collège La Cité? Donc, on a nos deux programmes. Le programme technique est d'une durée de 2 ans. Il va préparer les étudiants à faire l'installation, l'entretien, veiller au bon fonctionnement, dans le fond, de tout matériel électronique dans plusieurs domaines. Puis, une fois que la technique est faite, les étudiants peuvent s'inscrire pour une année supplémentaire et aller faire la technologie, où là, on va se concentrer un petit peu plus sur la conception de circuits et le développement de prototypes pour agir en fait en support et en collaboration avec n'importe plein d'équipes, dont souvent les équipes d'ingénierie à ce moment-là. Intéressant, donc la durée, donc le premier programme, 2 ans, une année de plus pour technologie. Donc c'est très intéressant. Bientôt, le programme va recommencer au mois de septembre. Peux-tu nous parler aussi du mode de livraison pour ces deux programmes, donc la livraison des cours? Oui, donc en septembre, pour la première étape, on a 7 cours qu'on offre. Dans les 7 cours, il y en a 4 qui sont complètement en présentiel dans nos laboratoires à la Cité. Et on en a 3 qui sont complètement en ligne, qui vont se faire à travers Teams, à travers tous nos logiciels de simulation qui vont être disponibles pour nos étudiants. Intéressant. Donc, les étudiants et étudiantes ont quand même l'occasion d'utiliser des laboratoires du collège, tout en respectant des mesures en place. Donc, c'est très, très intéressant. Et j'aimerais aussi que tu nous parles du profil de nos professeurs dans les deux programmes. Donc, dans les deux programmes, nos professeurs sont très diversifiés comme profil. On a des ingénieurs électriques, on a aussi beaucoup de technologues qui sont très expérimentés, qui viennent donner un coup de main. Certains sont même des anciens diplômés de notre programme. Excellent. Donc, ils ont beaucoup d'expérience dans leur domaine. Aussi au niveau du profil d'étudiants et étudiantes qu'on cherche dans ces programmes? Donc, on veut former des techniciens et des technologues. Donc, c'est sûr qu'on va vouloir des gens qui sont prêts à être manuels, donc qui vont vouloir faire des choses de leurs mains. On fait beaucoup de résolution de problèmes, donc des gens qui sont curieux, qui sont autonomes. Et on est en génie électronique, donc évidemment, un petit intérêt pour la technologie, c'est très pratique. Intéressant. Je sais que parmi ceux et celles qui nous suivent présentement, il y en a peut-être qui pensent à compléter leur demande dès maintenant. J'aimerais que tu nous parles des conditions d'admission pour ces deux programmes.
Donc, pour les deux programmes, ça nous prend un diplôme d'études secondaires de l'Ontario ou un équivalent. Il est aussi très recommandé d'avoir suivi des cours de mathématiques au cours de sa formation. Parfait. Puis je rappelle aussi aux candidats et candidates adultes, donc si vous n'avez pas un diplôme d'études secondaires et que vous avez 19 ans ou plus et que vous êtes intéressé par ces programmes, donc c'est possible de faire une demande d'admission. Vous allez, on va vous demander de faire des diagnostics de compétences pour réussir. Si vous, bien sûr, vous passez ces diagnostics, vous allez pouvoir être accepté dans ces deux programmes. Souvent aussi, des candidats et candidates qui se posent la question, est-ce que si je termine un programme spécifiquement pour ces deux programmes, est-ce que je dois avoir une certification, une licence pour pouvoir travailler dans mon domaine? Pour nos diplômés en génie électronique, ce n'est pas nécessaire d'avoir de certification ou de licence pour travailler. S'ils veulent, une fois qu'ils sont diplômés, ils peuvent faire partie de l'ordre des techniciens et technologues, mais ce n'est pas nécessaire. Intéressant. Je sais aussi qu'il y a des candidats et candidates qui se posent la question, est-ce que la formation que je vais suivre au Collège de la Cité va me permettre de travailler en Ontario et dans d'autres provinces ou partout dans le monde? Pour ce qui est de ces deux programmes, est-ce qu'on peut travailler partout au Canada? Oui, en effet, on peut travailler partout au Canada. On a certains de nos diplômés qui sont justement à travers différentes provinces. Donc, on en a en Ontario, on en a au Québec, on en a aussi dans d'autres provinces au Canada. On en a même, en fait, à l'international. Oui, c'est vrai. Moi, j'ai un cousin qui a étudié dans le programme de technologie du génie électronique, effectivement, qui travaille aux États-Unis. Quand il a terminé son programme, il est allé aux États-Unis. Donc, on peut travailler partout dans le monde. Donc, c'est très intéressant. Où est-ce que nos diplômés travaillent? Tu peux nous donner des exemples des employeurs qui engagent nos diplômés? Oui, je peux vous en donner quelques-uns parce qu'en fait, il y a tellement d'endroits que nos étudiants peuvent travailler après leur technique ou leur technologie, donc le 2 ou 3 ans. On a un grand employeur dans la région d'Ottawa qui est NAV Canada. On a aussi le gouvernement fédéral du Canada qui, dans différents ministères, engage nos étudiants. On a Honeywell, on a Siemens aussi qui a engagé certains de nos étudiants. Donc, il y en a vraiment beaucoup, des employeurs, autant dans la région qu'à l'extérieur. Très intéressant. Peux-tu aussi nous donner le portrait du marché du travail présentement dans ce domaine? Oui, donc présentement, Le technicien et le technologue en génie électronique est très en demande. Donc, on a même certains de nos étudiants qui sont engagés avant même d'avoir terminé leur formation. Ah, très intéressant. Donc, encore une fois, j'encourage ceux et celles qui nous suivent. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser vos questions, on va vous répondre. Et donc, je vais poursuivre mes questions. Donc, c'est très intéressant. Il y a du travail, sur le marché du travail. Et pour ceux et celles qui aimeraient poursuivre leurs études à l'université, est-ce que c'est possible de terminer un programme de 2 ans ou de 3 ans et de continuer des études à l'université? Oui, en effet, c'est possible. On peut aller travailler, poursuivre nos études dans les universités en Ontario, donc par exemple à l'Université d'Ottawa, où on a aussi une université dans le nord de l'Ontario qui accepte qui est en fait dédiée pour les techniciens. Et on en a aussi quelques universités du côté du Québec qui acceptent nos technologues sans préalable. Sinon, des fois, il faut faire juste peut-être une année pour aller chercher des petits cours préparatoires. Donc, c'est intéressant pour ceux et celles qui aimeraient terminer leur programme puis continuer leurs études soit à temps plein ou à temps partiel, tout en travaillant. Donc, c'est très intéressant de pouvoir continuer des études à l'université. Présentement, est-ce qu'il reste encore des places pour ceux et celles qui aimeraient s'inscrire pour commencer en septembre? Oui, en ce moment, il nous reste encore quelques places pour septembre prochain. Donc, évidemment, si vous voulez vous inscrire, on vous encourage à le faire. Intéressant. Donc, je pense qu'on a fait le tour des informations pertinentes pour ces deux programmes. Est-ce qu'il y a un dernier mot à partager, à dire aux futurs étudiants et étudiantes de ces deux programmes? Pour ceux qui sont déjà inscrits, on a hâte de voir. C'est un programme qui est très, très stimulant. Donc, ça vous va mener vers un emploi qui va être différent de jour en jour. Et pour ceux qui ne sont pas encore inscrits ou sont indécis, je crois que c'est un domaine qui est toujours
en changement, donc c'est sûr que vous allez trouver votre intérêt. Parfait. Merci infiniment de nous avoir partagé ces informations. Encore une fois, je rappelle à ceux et celles qui nous suivent que nous sommes toujours là pour répondre à toutes les questions concernant ces deux programmes. Merci. Merci à toi.